Confinement. Bonjour à tous, bienvenue sur la Digitale 88.4 Radio Galère. Aujourd'hui, une émission spéciale poésie avec un invité principal en chair et en os dans le studio, Didier Caléja, Didika Cœur Pur. Alors quelqu'un qui tombe, c'est comme un caillou. Égrené, il se prend des bourres dans le pied. Dévisagé des bonnes lourdes bien fermes. À faire pâlir d'envie, petit Judas sous la douche. Mateur, bien décorné, on n'a pas le choix de s'en prendre une bien bonne, mais une bien cuite à petit feu, au petit four, à crème migratoire. Pour bientôt froisser l'hiver, à frissonner au coin d'une épaule. Mais le temps court trop vite, à courir toujours après la transhumance. Il nous dépasse quand on y pense. On le rejoint jamais, alors on frissonne comme on peut. En mineur d'ennui ou contre un limonaire, faute de binaire, en limonade à zéro, temps ou tempo, désarticuler les gammes, écrêner les arpèges sur un coin de bois de lit de haut en bas. Récréer sa pose face à la retourner direct en plein dans la gueule. Il pleut dans la gueule. Alors on se poudre, on clarifie, on assaisonne les zones. Quand on a tout loupé, on ne risque plus rien de perdre. Même si c'est une avalanche au coin de l'œil, dégoulinée sur orbite spéciale. Dessous la paire, dessous la paire. Une merde qui flanche à deux balles pour crever d'en rire, à s'en remettre une belle en tête. Alors l'hôpital n'est pas loin, c'est lui qui vient à toi. Le cerveau raccourci se fait des cheveux blancs sur tous à la ligne. Des emplettes à poils de Noël sur pile pacaline. À l'obsolescence programmée à faire praline d'horreur. Les ratiboisés de la cervelle, les entubés d'esclavage moderne. Sur la faillite du fond d'éponge laminée. Bien mal aimé, bien sec pour partir rêche. En toute sobriété, alors il pleut. Salut les dégoûtés de la gouttière en tartré. Pour qu'il pleuve, c'est comme la nuit au fond des âges. Ça ne se répare pas, ça s'oublie sans doute. L'EDF ne passe plus par ici, alors comme juste en face de la friche, il y a l'EDF pour y remédier, parce que c'est l'ampoule vitreuse qui a cassé ses filaments qui se lamentent. On sait plus où la mettre, ou peut-être le mettre au carré pour faire danser la conscience, assise sur son rebut de tuiles en tout genre. Même dans les champs des oiseaux ne parviennent plus jusqu'aux oreilles. C'est quelqu'un fini par botage à la rage, dont les mots seraient lourds, qui s'évapore peu à peu de la conscience. Le papillage d'un enfant né sous la contrainte, qui serait renvoyé de la vie à vie d'extinction programmée, avec la vie d'extinction programmée, malaxée dans un grand bouillon, à la boule de couleur décharnée. Voilà, c'est tout. Alors il pleut, et quelqu'un qui tombe, c'est comme un caillou. Merci Bella. Attention à la vague, 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 Didi, adieu à lui qui sonne à la ligne. Charles, je comprends pas ce que tu dis. Le corps, sonnant et trébuchant, fièrement dressé pour en faire ressortir le non-fer dans la forêt. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, la forêt. Attends, Charles, pourquoi tu dis la foireuse être d'hiver qu'il faut tout le temps se farcir? Mais j'aimerais bien, une fois pour tout, m'écarter de la pensée sur un tripalium. Ouais, tu parles tout un travail, Charles. Ah, pourtant, Sergi, pourquoi tu dis tu es un dingue au travail? Mais putain, j'en ai marre. Répétita, mes couilles. Ah, Charles, tu me réponds qu'en deux exemplaires, mes couilles, c'est logique comme mes couilles, laquelle je like. Non, mais attends, tu vois. D'accord. Comment se taire de l'image quand on fait tout ce qu'on peut pour détruire les mots qui giclent dans la tête sans pouvoir s'échapper au dehors? Le problème, c'est quand on s'éclate, c'est trop de se disperser. Tu
peux traduire un peu de temps en temps. Le canard n'en fait qu'à sa tête. Oui, c'est normal, c'est un canard. C'est un canard jaune. Putain, il y avait une copine qui en avait une dans sa baignoire, le canard, c'était la même chose. En tout cas, aujourd'hui, oui. Finalement. Aujourd'hui, il fait meilleur à l'intérieur du studio avec Sidi aux manettes. Yo, Sidi. Et que dehors. Il y a des gravures. Restez confinés. Restez confinés.